le premier livre, dans Halakha Bet. On est selon Tfila Balev. Et d'autres chez Nagou, Chachela, c'est pour me recolera Tfila Armit. שללי יום טוב ושללי ימים נוראים. יש להם על מה שיסמוכו ואין לבטל מנהגם בחוזק יד מפני מחלוקת. למנוע לעדות. עדות זה לקימנותי. כלשלי הסיפור וידי ערבית לעמידה בכל רב. מפוסבו העיונה ברוך השם יבוקו בוקו דה מנהגים. מפוסבו Est-ce que c'est juste ou c'est pas juste? Est-ce que c'est kidai? Est-ce que c'est pas kidai? C'est correct de faire ainsi, de continuer le minhag, de ne pas continuer. Des fois, le minhag, il n'a pas de base selon la halakha. Ou ça contredit vraiment la halakha. Si ça contredit de la halakha, alors il faut savoir que le minhag, il ne peut pas tenir. C'est dommage. Mais si maintenant, le minhag, lui, il ne contredit pas la halakha, même d'après Maran Ashurhan Arour dans le Beit Yosef, il a dit que tu peux continuer ton minhag. Tu peux continuer ton minhag, il n'y a aucun problème. Seulement, si le minhag contredit la halakha, que d'après les postes qui me disent que c'est assourd, là, c'est conseillé de ne pas continuer maintenant le minhag. Alors maintenant, il nous dit le Rav, il y a des communautés que le Shalia Tzibour, lui, dit à haute voix, Arvit, Yom Tov. Il n'y a pas de chazara dans Arvit. Il dit Arvit à haute voix. Velele Yamim Noraim est aussi dans Rosh Hashanah et Kippour. Arvit, il dit à haute voix, il dit le Rav Yeshlaim al-Mashi Smokhu, Ve'en Levatel Minagam Bechozek Yad Mipne Amachloke. Et pas besoin de arrêter ce minhag à cause de la Machloke. Parce qu'il y en a qui vont dire que Mapitom, nous on a le minhag depuis qu'on est jeune, etc., etc. Alors maintenant, s'ils veulent continuer, ils peuvent continuer, ils ont sorti s'appuyer. Mais comme à quoi אם כל הקהל יודעים ומתפללים מתוך המחזור ומסכימים לוותר מנהגם בזה לצאת ידי החכמים המקובלים תבוא אליהם ברכה. Si maintenant, la majorité du Kahal, eux, ils veulent arrêter de ce minhag là parce qu'ils veulent compter et s'appuyer sur les Mekoubalim, que les Mekoubalim, ils ont dit, il faut savoir que ce n'est pas évident de faire la tfila, que les belahaj à haute voix. Il y a beaucoup d'Inyanim selon la Kabbalah, c'est Miktane Amana, etc. Il y a Hitzonim Nidbakim, qu'est-ce qu'il dit la Kabbalah selon la Tfila Belahash. C'est bizarre ça quand même. Comment? C'est bizarre. Pourquoi c'est bizarre? Parce que jusqu'à Khana, tout le monde faisait about. Comment la Kabbalah peut dire qu'il y avait un problème? Alors, Ayen Bakbez Bakabbalah, après, on en reparlera. Avant, ce n'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, avant, il y avait aussi le Mishkan. Il n'y a pas de Mishkan. Après, la Kabbalah, etc. C'est, aujourd'hui, la Gdusha, elle n'était pas comme avant. Aujourd'hui, un homme, il n'a pas. Fait très attention dans la Tfila, quand lui, il veut prier, que moins rien que son oreille qu'il entend. Et encore, même, pas besoin d'après la Kabbalah, pas besoin aussi que son oreille l'entend. Parce que si maintenant il dit à haute voix la tfila, les hitsoninim, les sauces qui sont extérieures, maintenant qu'ils essayent d'empêcher que de la tfila monte, ils prennent de cette tfila. Tu dis à haute voix, tfila talahash, ils prennent cette tfila, et après ça empêche maintenant qu'elle monte sa tfila. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? On émite pas le betzibou. Pourquoi on émite pas le betzibou? Une des raisons pour tfila de betzibou, elle émite kabelet. Elle est acceptée la tfila Betsibou. Si tu pries seul, peut-être la tfila ne va pas y aller plus haut que le plafond. Alors, comment? Ken? Mi shemit panel shmona esre belahash magbiya ksat kolo, yesh omrim sheim mukhachim, sheim mukhachim ashomim la'amod, sham yanu amen, ala brachot sheshomim, ubifrat otam ha'omdim toch arba amot, המוטב ושומעים את תפילתו, אך יותר טוב איך עד אפשר ללכת משם, ויש חולקים. ונאום כלבי כי פרי, סתפילה בלחש. מלבי,
il dit à haute voix sa tefila. Il y en a qui disent que si maintenant, ceux-là qui sont à côté de lui, et ils doivent répondre Amen à ses brachot. Par exemple, ceux-là qui se trouvent dans les Arba Amot. Arba Amot, ça veut dire un mètre de celui-là qui prie. Ah, il dit, est-ce que maintenant c'est possible qu'eux, ils doivent répondre Amen? S'ils sont là-bas et puis là, ils doivent oui répondre Amen. Ils sont obligés. Arrête, sauf, faut savoir. Ils sont un homme que lui qui l'entend. Une bracha de son ami, il ne répond pas Amen, c'est grave. Même d'un homme. Ça m'arrive tous les matins, c'est la même heure. J'arrive pour mettre les filines, il y a un gars qui fait bafot. Non, là, c'est machin, rien. Dans les filines, tu ne réponds pas. Moi, ça m'a. Non, je commence à. Je viens pour les mettre, il fait ses bafot. Moi, j'attends pas, je commence à mettre les filines, je suis en retard, moi. Quand on va mettre à faire, je m'en fous de sa bracha. Je m'excuse. Et je ne suis pas négé de sa bracha, je pense à moi. Il y a les fans là-bas. Il n'y a pas les péchés. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Moi, ça me. Je suis franchement, ça me dérange. C'est pas avec toi que ça te dérange. Ça dérange. Moi, je viens pour prier, il faut que je réponde Amen à un gars. Mais lui finit, il a dit qu'on commence. Attends, t'as une palette, papa. T'as une palette. Il chante pour pas, moi. Mais c'est vrai, moi aussi, c'est comme ça. Je réponds ce que je peux, mais je peux. Allez, mais c'est comme ça. Ça. Lui le dit à haute voix, et nous, on le pense à voix, on va en basse. Mais il fait ce qu'il veut. Moi aussi, je fais ce que je veux. Vas-y, excuse-moi. C'est pas évident, mais elle m'a la sonne. Là, il dit, mais regarde qu'est-ce qu'il nous dit, Laura. Le rabbi nous dit Ah, yoter tov, echad efchal, alechet bicham. C'est même tu parles d'abord. On prend la maison, alors. Non. Quand tu ne peux pas répondre, tu ne peux pas répondre. Tu trouves, tu fais, il y en a qu'est-ce qu'ils font, ils vont dans un coin. On parle maintenant du bonhomme, là, maintenant. Il dit à haute voix les brachot. Toi, tu dois répondre Amen. Toi, tu continues de te filer. Qu'est-ce que tu fais? Tu commences ta fila à côté. Après, tu peux pas. On peut lui dire gentiment est-ce que tu peux faire parce que c'est le temps. Si maintenant. S'il va mal le prendre. Il n'y a qu'un problème. Il y en a qui mettent les filines là. Il y a un vieux. Tu lui dis maintenant de mettre les filines là. Oh oh. Il met tes filines. Tu vas me dire comment on met les filines? Il y a ça, quand j'étais jeune, je mettais les filines. Je crois que ton filine est un peu trop grand, il tombe. D'accord, je viens faire la chose, d'accord. Donc, Yesh Cholkim, Vaikal Adinash Tsaïr Lalot Acharav Amen, il nous dit le Rav, d'après la halakha, tu dois répondre Amen à cette fille-là, à lui. Celui qui fait la Amsa Amida, à lui, à haute voix. Attention, tu n'es pas dans ta Amida toi-même. Comment? Vadaï. Vadaï, faut le dire. Mais comme à comme, Im Yirtse, Yachol Akum Misham et Lalechet le Makom Acher, Echad Efsha. Et il dit comme ça, la psyche de Sicha, et God même s'absouke des voilà, maintenant il dit comme ça. Si maintenant il se trouve dans un endroit, dans la tfila, que lui il se trouve, même s'absouke des imra, là maintenant il doit répondre Amen à sa bracha. Mais là, il dit le Rav Tov Shidrachem Misham, que de Shelo Ishma, tfila mechavero, velo ester la note Amen, même s'absbirot. Quitte de là-bas, va ailleurs, ou pas que tu répondes maintenant Amen à sa bracha, à ses brachot à lui, qui lui il se trouve au milieu de l'amida. Et toi, tu te trouves au milieu des psouk et des imra. Ah, c'est pas évident. C'est vrai, malasot, des fois, on se trouve dans le kotel. Et il y a des brachot de tout le monde. Il y a le rav, il a écrit. Il n'a pas spécifique comment se comporter dans le kotel. Parce que vraiment, sinon après, tu peux pas prier. Ve'im shama abracha be'em sa psouk et des imra, on est amen. Si tu te trouves au milieu des psouk et des imra, okay, tu peux dire Amen. Tu dois répondre, excusez-moi. Tu dois répondre Amen. Amit palel beto, amit palel, filat shmona esre, ksat bekol rab. Kede le lamed el bne beto, en sadek shetzchim lanot acharav, Amen, shekevan, shehuta, lo nino, ken. On veut dire le lamed de ta'am, aber lo me lamed etam nafon, ken il me dit que j'ai le palel bekol rab. C'est vrai, qu'est-ce que tu dis? Mais lui, par exemple, ce bonhomme, on verra, on va finir la halakha en premier. וכיוון שהותר לו לנוקד, ותפילתו תפילה, לכולי אלמה עונים אחריו אמן. לא, לוי, איבו, באזום, אופה פעד לשם כ... אופה פעד כל כך עיסק בתפילת לחש, תפילת בלחש. ואיום אינו, איסו אין פלואה, איבו, איבו לבואר, לא פפה כמו איפה לתפילה, אבל לוי ידיע, תות איפה עוד בואר, כן? אלא אוי זונטון, Lui, il fait ça, les Shem Hinour. Alors, est-ce que maintenant la question elle est qu'eux, ils peuvent répondre? Ils doivent répondre ou non? Alors, il dit le Rav, oui, ils doivent répondre.
C'est sûr que c'est conseillé. Si c'est les des bachourim de la maison, de la famille, qu'eux, ils savent qu'on doit prier, c'est le shemahinou. Alors le papa, lui, il doit faire sa tfila belahash. Mais non, lui, il a une raison. Quelle est sa raison? Il veut éduquer ses enfants. Ça s'appelle le shemahinou. Quand même, lui, il fait bien, mais eux, ils doivent répondre amen à ses brachos. Tu peux nous dire ce que c'est que la hache? Tu peux nous le faire, la hache? C'est pas bouger les lèvres et ne rien sortir. Ah, c'est chaud, aller aux genoux. Non, non, non. D'après la halakha, mashmi aller aux genoux. C'est ça. Ça. D'après la halakha. D'accord. Mais, attends, laisse-moi finir. Mm-hmm. Mais par contre, que ton ami n'entend pas. Oui, le genoux et le aux genoux. En l'occurrence, mon fils qui prie à côté de moi, il me dit, papa, je t'entends. Et pourtant, il est à côté de moi, donc je m'entends, il m'entend. D'après la Kabbalah, même à ton oreille, tu n'as pas le droit d'entendre. D'après la Kabbalah, ça veut dire que... J'entends rien, Rabbi. Moi, j'entends pas aussi. D'accord. Mais j'entends un petit souffle. Ça, comme ça, tu dois prier. Il faut que toi, tu en même pas, tu entends. Mais, comme c'est écrit dans Vehana, Rax Sfatea Naot, rien que ses lèvres, il bougeait. Mais à Kol Lonishma. D'accord. Le Kohen, il n'a pas entendu, peut-être, Hanel. Entendez ce qu'il disait. Pourquoi la Torah, le Nah, il nous dit Sfatea Naot. Là, c'est vrai qu'il dit Kol Lonishma. Donc, c'est vrai qu'il dit Sfatea Naot. Et là, Sfatea Naot, Aval Kol Lonishma. Donc, on ne doit pas se faire entendre. Après la Kabbalah, non. Après le Zohar, ça s'appelle Miktane Amana. Bravo. Quoi, à Kodesh Baruch Hu, il ne t'entend pas? Kodesh Baruch Hu, il t'entend. Kodesh Baruch Hu, il sait qu'est-ce que tu penses. Il sait qu'est-ce que tu veux. Bravo. Le Birkat Amazon. Hier, Abel Baz, il a dit. Ouais, c'est pas choix. Troisième aujourd'hui, on a dit c'est le Malachot. Non, non, non. Lo Yishmiel Ohod, nous non, le Yatzaï de Chova, aussi créé à Chéchal. Voilà, voilà. D'après le mais après, il a dit Avad, Lo Yishmiel Ohod, non, Yatzaï. D'accord, mais le Khatri là, mais le Yatzaï. Non, le Khatri. D'accord. Alors. Parce que c'est ma choix. Après, c'est ma choix. Le Birkat Amazon, elle ressemble à la Tfila Be'Amida, il y a presque. Tous les conditions. On avait vu dans la classe, la différence c'est quand il est debout, l'autre il est assis. On n'a pas dit qu'un il doit faire dans, il doit s'entendre, l'autre il doit pas s'entendre. D'après la halakha, c'est vrai, d'après la halakha, je parle maintenant au Zohar à Kadosh. D'accord. Après la Kabbalah, l'autre c'est la Shmi al Ozno. D'après la halakha, c'est où les Shmoa? Où la Shmi al Ozno? Pour l'autre. J'ai pas compris la halakha. Quelle est la halakha? Je dois pas du tout. Tu dois entendre. Je dois toi. Me faire entendre. Non, tu dois entendre toi. Je dois m'entendre. Voilà. D'après la halakha, d'après le Zohar, tu dois pas t'entendre toi-même. Je dois m'entendre. Non. Le Khatrila, je dois m'entendre. C'est le Khatrila d'après la Kabbalah. Que nous, la Tfila, elle va selon la Kabbalah. Il faut savoir, tous les Noussar. Donc je ne dois pas me faire entendre. Tous les Noussar qui sont dans le Sidour. Tous les Noussar qui sont dans le Sidour, d'après le Harizal, d'après la Kabbalah. Donc je ne dois pas m'entendre. Tu ne dois pas t'entendre. Okay. C'est ça? Oui. Comme ça, il faut faire. Ouais. Le Khatrila Kachal. Mais il faut que tu sors de ta bouche. Tu as entendu? Moi, je peux presque, parce que il dit Zohar que Shertoch et Amilim Besfatav, qui coupe les mots. Pas. Il y en a, moi, j'entends quelqu'un des fois, quelqu'un que lui, il fait une tfila, c'est Ya Elegato Vestacato. Vous savez qu'est-ce que ça veut dire dans la musique? Elegato, ça veut dire c'est comme ça. Staccato, ta ta ta, pum pa, ta hot. Il faut pas que lui, il fait comme ça dans sa tfila, parce qu'il y a pas de mots. Pas de lettres. Ça va, mais c'est ça le risque quand il s'entend pas. Non, alors maintenant il faut qu'il fasse. Il faut pas qu'il fait comme ça, il faut qu'il fait. Mais c'est un risque. C'est un risque quand il fait. Bien sûr. Pas de risque. À la fin, vers le.